à tous et bienvenue dans Formation TRM. Allez, pour commencer, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit à vie. Et cliquez sur la petite cloche, ça vous permettra d'avoir une petite alerte lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, donc aujourd'hui, petite journée exceptionnelle, comme je dirais, allez, toutes mes vidéos, hein, allez, je me lance un petit peu des fleurs, sont exceptionnelles, en tout cas pour moi. Je les fais toujours, je les réalise toujours avec plaisir et j'espère qu'elles vous font plaisir aussi. En attendant, je croise pas mal de monde dans le centre de formation où je travaille et même sur la route, hein. Lorsque je fais des extras le samedi, puisque oui, depuis le mois d'août 2022, je fais des extras le samedi et pendant les vacances, des gens qui viennent m'accoster, me disent « Tiens, je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. » « Ah oui, mais c'est les vidéos, forcément. » Et j'ai croisé des formateurs qui m'ont dit « Mais je les passe pendant les formations, ça m'aide vachement. » J'ai même rencontré une personne au salon de l'autocar qui est venu m'accoster, un exposant, hein. Il était là, il exposait son matériel, c'était l'embrayage ZF. Il m'a dit « Monsieur, voilà, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. » Et oui, il avait utilisé sa carte conducteur pour la toute première fois il n'y a pas très longtemps et il ne savait même pas dans quel sens il fallait la mettre. Et il a regardé un de mes tutos, donc il est venu, il m'a remercié pour le service que je lui avais rendu en fait. Bien, alors aujourd'hui, je teste une nouvelle entreprise, ce sont les transports Gagne. Ils sont situés à Fezin exactement. Alors ils ont d'autres dépôts, hein, bien sûr. Hein. Comment j'ai connu cette entreprise? Alors ça fait longtemps que je la connais parce que je connaissais très bien le formateur qui était en place à l'époque. Aujourd'hui, il est dans un lycée professionnel. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller tenter, je vais aller voir un petit peu l'activité Transport Gagne. Je connaissais déjà un peu leur activité, c'est du frigo, hein, d'accord. Donc je me suis présenté un jour de semaine directement à l'exploitation en leur expliquant que je voulais faire des extras. J'ai été accueilli par Virginie. D'ailleurs, je salue au passage puisqu'elle m'a vraiment accueilli très sympathiquement, d'accord. Et ensuite, eh ben, j'ai démarré tout de suite dans la foulée, le samedi, en extra. Par contre, je reconnais que, alors c'est le deuxième samedi là, hein, que je fais en extra. Le tout premier, bah, j'avais pas pris ma caméra, j'avais pas été bien accueilli par l'exploitant qui était là ce jour-là. Je me suis pris deux réflexions dans les dents que j'ai pas du tout appréciées. Et dans ma petite tête, je me suis dit, allez, à la troisième, je tourne les talons et je me barre chez moi. Je viens pas ici pour me prendre des réflexions désagréables. Hein. Messieurs les exploitants et responsables d'exploitation, vous vous plaignez tous que vous ne trouvez pas de conducteurs, mais essayez au moins de bien les accueillir déjà. Hein. Et vous verrez que ça y fait, parce que n'oubliez pas qu'il y a le bouche à oreille des conducteurs, ce que j'appelle moi radio conducteur ou radio chauffeur, ça marche très très bien. Donc s'ils sont mal accueillis dans votre entreprise, forcément ils vont en parler autour d'eux et ça va pas donner envie aux autres conducteurs de venir travailler chez vous. Alors pensez-y un petit peu à ça et arrêtez de pleurnicher que vous ne trouvez pas de conducteurs. Accompagnez-les lors de l'intégration dans votre entreprise. J'ai quand même été un peu choqué par la personne qui m'a accueilli la première fois, hein, donc le samedi, qui m'a fait des petites réflexions sur le fait de chercher des clients, trouver des clients, machin. Par contre, à aucun moment, il s'est assuré que je savais faire fonctionner un frigo. Et là, par contre, c'est plutôt light, hein, de sa part. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, ça s'est passé. Je tourne la page, je passe à autre chose. Je reviens à nouveau chez Transport Gagne. J'ai été très bien accueilli aujourd'hui, puisque c'est Virginie, hein, qui m'a accueilli. J'espère que la prochaine fois, si c'est un exploitant, bah, qu'il sera un petit peu plus correct. Hein. Parce que j'hésiterai pas à rentrer chez moi. Voilà, je n'aime pas travailler pour me faire jeter ou pour me faire prendre des réflexions désagréables. Hein. Et je suis comme tout le monde. Hein. Voilà, j'encaisse. Et puis au bout d'un moment, bah, voilà, stop, je dis stop. Hein. Donc, allez, aujourd'hui, la journée, elle consiste à charger un complet de viande à Tain-l'Hermitage. Donc, je pars à vide de Fezin à Tain-l'Hermitage. Ensuite, une fois chargé, j'emmène cette remorque à Carillon sur la plateforme justement de Transport Gagne. Je la dépose et je vais attendre une autre remorque qu'un conducteur va m'apporter. Le chargement est prévu à 14h, donc il ne sera pas là-bas avant 14h30. J'en profiterai pour faire ma pause de 45 minutes. Et ensuite, je la prends et hop, je trace à Belleville-sur-Saône, au nord de Lyon, pour faire une livraison en direct. Et après, bah, ma journée sera terminée
je rentre au dépôt à vide. C'est une journée qui va à peu près durer 10 heures de temps de service et qui sera approximativement, allez, je serai à peu près à 8h45, 8h50 de temps de conduite dans la journée, en espérant qu'il n'y ait pas de bouchon, qu'il n'y ait pas d'accident. Parce qu'aujourd'hui, c'est les départs des vacances de la Toussaint. Donc, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de monde déjà sur la route, malgré la pénurie de gasoil, malgré les augmentations du carburant. Ça n'arrête pas les gens. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour la journée. Je vous montre tout ça en vidéo, en tout cas une partie. Hein, je ne pourrais pas tout filmer. Donc, allez, suivez-moi pour cette journée en intérim. Go! De faire tout le tour du véhicule avant de partir, hein, pour pouvoir signaler en cas d'anomalie comme ici, hein, à l'intérieur de la porte aussi. Des pneus, est-ce qu'ils sont pas sous-gonflés, parce que ceux-là par exemple on ne verrait pas forcément s'ils étaient crevés. Donc allez voir aussi les roues intérieures s'il n'y a pas d'anomalie. Les écrous, ça semble banal, hein, mais des fois il manque des écrous. Elle est bien. Ok. Les flexibles, est-ce qu'ils sont bien tous branchés? Voilà, mon tour de vérification est maintenant terminé. J'ai mis mon frigo en route avec un point de consigne à 0 degré puisque le client chez qui je vais charger nous demande le point de consigne à 1 degré, donc par précaution je le descends à 0. N'oubliez pas, ne négligez pas ce tour de vérification et surtout les flexibles, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ne branchent pas le flexible de l'ABS, simplement parce que la remorque, lorsque vous faites des mises à quai, souvent il y a un capteur et le capteur vient vous bloquer les roues lorsque vous vous approchez au fur et à mesure du quai. Je sais que ça peut être gênant, mais en attendant, le cordon ABS branché, c'est une sécurité pour éviter de partir en portefeuille. Donc ne négligez pas cette vérification, elle est très importante. Allez, maintenant, on va prendre la route. Allez, j'ai un très beau tracteur. Alors, il est propre. Hein. Regarde, alors c'est pas le toute dernière génération, mais il est nickel. Allez, c'est parti pour une journée en frigo. Alors la sortie est un peu étroite ici. Il faut prendre large, il faut aller chercher loin pour ensuite pouvoir présenter la remorque bien en face de la sortie. Voilà, comme ça, on est pile poil en face. Faire attention aux tabliers qui viennent pas accrocher les poteaux. Voilà, comme ça je suis pile poil dans l'alignement de la sortie. Allez, c'est parti, direction Tain-l'Hermitage. Je vérifie droite gauche, rien à signaler. On y go. There we go. Ouh, il monte dans les tours. Il faut que je prenne la main dessus. Bien, c'est la première fois que je prends ce véhicule, donc là la première constatation c'est que même en accélérant doucement, il monte très haut dans les tours. Ah, je suis à plus de 1400, je suis même à plus de 1500 tours, donc eh ben, je vais prendre la main sur le véhicule, hein, à chaque démarrage pour éviter cette surconsommation inutile, surtout que là je suis à vide, hein, quand même. Alors la route est bien mouillée, il a plu toute la nuit. Donc attention à l'accélération parce que derrière, hop, ça va vite partir et risque de perdre le contrôle du véhicule. Donc une petite accélération, mais vraiment légère, quoi.
parce que dès qu'on accélère trop fort, on sent tout de suite hein, que derrière il n'y a plus aucune adhérence. Et là, c'est le risque que la remorque pousse à ce moment-là et qu'on se retrouve en portefeuille. Même là dans les virages, avec tous les passages de poids lourds, la route est hyper grasse. Et ça aussi, c'est un piège. C'est ce qu'on appelle le verglas d'été. Pour ceux qui vont passer leur permis en titre professionnel, eh bien, on en parle dans les fiches orales, le verglas d'été. Eh bien, c'est ce fameux verglas qu'on ne voit pas, mais qu'on le ressent tout de suite dès qu'on prend un virage trop fort. Et c'est limité à 30, eh bien, je suis à quoi ? À 20 km/h. Le contrôle des rétroviseurs, toujours lorsque je tourne à droite, je contrôle mes rétroviseurs pour bien faire attention à mon placement. Et là, regardez le petit virage qui paraît pas, hein, qui paye pas de mine, mais on a vite fait de se mettre en portefeuille dans un virage comme celui-ci. Accélérer, ça patine derrière. Et voilà, malgré le prix du gasoil, malgré la pénurie de gasoil, de carburant, regardez-moi tout le monde qu'il y a sur la route. Impressionnant. Moi, ça, je comprendrai jamais. Bon, allez. Vivement le prochain confinement, qu'on n'ait plus personne sur la route. Allez, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est parti à 70 km/h pour les poids lourds. Punaise. Salut les amis, putain, je viens juste de capter là en entendant les infos à la radio. Ben en fait, je sais maintenant pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui sur l'autoroute. Et ben simplement, ben, c'est le premier week-end de vacances, les vacances de la Toussaint. Bon, là, le trafic a légèrement diminué. Regardez, hein, il y a beaucoup moins de monde, mais dans mon rétroviseur, il y a tout ça qui arrive là derrière moi. Hop, vous voyez, il y a quand même, hein. Allez, les gens vont chercher le soleil. Oh putain. Les gens vont chercher le soleil dans le sud. Et là, je me fais doubler par des CRS. J'espère qu'ils n'ont pas vu ma caméra que je tiens à la main. Bigre. C'est pas bien ça. Ne le faites jamais. Voilà. Donc ils vont chercher le soleil. Pour l'instant, c'est nuageux. Mais j'en reviens encore au prix du gasoil, à la pénurie. Finalement, ça n'empêchera pas les gens de rouler. Enfin, on est bien d'accord. Ouh là là, ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Il fait toujours pas beau. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils ont prévu aujourd'hui, mais... Alors moi, perso, bah, je roule à 85. J'ai un rendez-vous, certes, à Tain-l'Hermitage, mais je roule à 85, de façon à ne jamais, dans les descentes, dépasser les 90 km/h. Ça, c'est une règle de base. Et puis, bah, ça n'a rien de faire la course, hein, d'autant plus qu'il y a toujours des camions qui vont chercher à doubler.
Et pour éviter que ça dure plus longtemps, les dépassements, eh bien, je me mets à 85. Et puis, en même temps, eh bien, les distances de sécurité vont se faire automatiquement. Allez, c'est parti. J'en ai un qui entreprend le dépassement. Ça, ben, j'ai même pas besoin de lever le pied pour lui faciliter le dépassement. Ben, il me double tranquille et puis ça prend quoi? Allez, 30 secondes pour me dépasser. Hein. Voyez, comme ça on n'emmerde personne, surtout aujourd'hui en départ de vacances. Ça sert à rien d'aller faire chier les gens sur la route. Moi, le premier, hein, lorsque je suis dans ma voiture, les routiers m'emmerdent lorsqu'ils mettent du temps à se dépasser. Ça m'emmerde. Alors, ben, j'évite d'emmerder les autres sur la route, tout simplement. Hein. Et voilà, là je suis dans une montée où il est formellement interdit de doubler pendant 7 km 500. Et qu'est-ce qu'on fait les routiers, hein? Eh ben, y en a qui me double, comme celui qui est devant moi, ben, il m'a doublé. Et j'en ai un là derrière moi qui s'apprête, qui joue le nerveux là. Il va le faire, il va pas le faire. Pourtant je me suis mis à 90 hein, dans la montée. Hein. Alors, ils arrivent encore à trouver le moyen de me doubler dans la montée. Mais c'est impressionnant quoi. Oh les gars, le code de la route, hein? Interdiction au transport de marchandises de doubler. Vous voyez, là j'ai une citerne. Mais je vais pas la doubler la citerne. Hop, je vais me mettre à 80, tant pis. C'est interdit. Je pars du principe que je ne travaille pas pour payer les amendes, tout simplement. En plus là, j'ai un véhicule qui s'arrête de toute urgence là, sur la bande d'arrêt d'urgence, et je peux même pas me déporter. Parce que regardez, le man là, il est en train de me doubler. Chier, putain. Bravo les gars, bravo. Ah, moi je vous dis bravo. Hein. Super. Mais moi je vais pas le doubler, je vais pas prendre de risque, tant pis. Je vais pas rouler bien vite, mais je le doublerai pas. D'autant plus que cette montée elle est pas bien longue, hein, donc franchement patientez un petit peu. Voilà, ça y est, on est en haut du col, la citerne elle prend de l'allure, je prends de l'allure aussi, et au final j'aurais perdu quoi? Quelques secondes. Mais alors vraiment très très peu. C'est ridicule. Ridicule. Voilà, là je me mets à 85 km/h et mon véhicule, ben, il va pas jamais dépasser. Alors là par contre je vais ralentir parce que je me rapproche de la citerne et je veux garder mes distances de sécurité. Allez, encore un autre qui double. Super mon gars! Regardez, il reste plus que 2 km avec l'interdiction, comme s'il pouvait pas attendre ce branquignol. Non mais sérieux quoi. Oui, alors je sais, hein, y en a qui vont dire oui, mais tu comprends, avec la pression des exploitants, des horaires, patin coup fin. Arrêtez de me la faire celle-là, sérieux quoi. Y a personne moi qui me met la pression. Moi y a que le code de la route qui me met la pression. Et je le respecte justement. Voilà, donc exploitants ou autres, voilà, les écoutez pas. Hein, parce qu'en tout cas, si jamais il y a des contraventions, c'est pas eux qui vont vous les payer. Si on vous retire des points sur votre permis, c'est pas eux non plus hein, qui vont vous donner des points. Voilà. Donc moi, je pars du principe, je ne travaille pas pour payer des amendes. Si le temps n'est pas suffisant pour faire mon travail, eh ben, qu'ils me fassent partir plus tôt. Voilà.
Allez, maintenant l'interdiction est terminée. Hein, regardez, allez hop, ça y va, on double. Ben au moins là, ils ont raison. Allez, on y va, les gars, on double. Moi, je vais pas tarder à doubler. Hein. J'attends que eux, ils aient fini de me doubler pour que je puisse moi doubler à mon tour. Par contre, les distances de sécurité, on en parle là, les gars. Q à Q, hein. Allez. Super. Un truc de malade, quoi. Surtout en plus aujourd'hui avec des départs en vacances. Oh putain, ça me rend dingue, ça. Ça me rend dingue, ça. Allez, c'est parti. Je mets mon clignotant pour annoncer aux autres. Et voilà. Vous voyez, je mets mon clignotant, donc les gens se déportent. C'est pas plus difficile que ça. J'informe les autres usagers de mes intentions. Et voilà, je double ma citerne tranquillement. Alors, lituanien devant moi, il roule à 85 km/h. Donc, je vais rester à gauche pour pouvoir. Hop, non, je vais me rabattre. Et je vais prendre mes distances de sécurité tranquillou. Allez, donc je me suis rabattu. Je vais le laisser partir devant. Je vais garder mes distances et je vais me mettre à 85 km/h comme lui. Allez, regardez, là on a un flexibus là qui me double. C'est un MAN. C'est le car qui a été élu le meilleur car de l'année hein, en 2022. Je l'ai testé au salon de l'autocar. Actuellement, je suis en train de me renseigner pour faire un peu de la ligne flexibus. Ou alors du tourisme, hein, c'est-à-dire emmener les skieurs en station. Je vous rappelle que ma plus longue expérience dans le transport, eh bien, c'était en voyageur. J'ai quand même 12 ans d'expérience en voyageur et j'ai 9 ans d'expérience en marchandise. Donc l'avantage, c'est que je peux faire l'un comme l'autre, hein, aussi bien de marchandise comme voyageur, puisque j'ai ce qu'on appelle la passerelle. Sur ma carte de qualification, eh bien, tous mes permis sont validés avec le code 95. Donc, je peux conduire tous les véhicules. Super lourd, on parle, hein, bien sûr. Hein. Sur mon permis de conduire, il n'y a que la moto que je n'ai pas. Donc, très bientôt, eh bien, on aura des vidéos sur le voyageur. Ce qui sort un petit peu du thème de formation TRM, hein, transport de marchandises. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en voyageur. Et puis peut-être qu'il y a certains comme moi hein, qui ont les deux permis, ça leur donnera peut-être envie aussi d'aller faire un petit tour en voyageur. En attendant, bah, ils cherchent du monde, surtout en extra pour les week-ends, parce que ça manque de personnel. Et puis forcément, bah, le personnel qu'ils ont, bah, ils travaillent dur. Ils sont beaucoup sollicités et du coup bah, ça permet de mettre des gens en repos et de prendre donc des intérimaires pour travailler pendant que les autres se reposent. Et c'est pas plus mal, ça m'arrange. Et ben voilà, j'approche de ma sortie. Roman, tournons sur Rhône est un ermitage. Alors ici, une super entreprise Valrhona qui fabrique du très bon chocolat. J'y viens régulièrement pour faire mon stock pour l'année. Alors, si vous avez l'occasion de passer par ici, arrêtez-vous chez Valrhona. Ce qui est bien, c'est que, allez, admettons, vous en achetez pour 100 euros de chocolat, hein, ce qui est déjà pas mal. Moi, c'est mon cas, j'en achète pour beaucoup plus cher d'ailleurs. Eh bien, ils vous en rajoutent après, gratuitement, dès que vous passez à la caisse, ils vous rajoutent des paquets de chocolat. Oh, il y en a facilement, suivant le montant que vous achetez. Allez, pour 100 euros, ils vont vous rajouter entre 10 et 15 euros de chocolat.
et moi qui en achète en général pour 150 euros, eh bien ils m'en rajoutent au moins pour 40 à 50 euros de plus de chocolat, donc c'est gratuit, hein. C'est entièrement gratuit ce qu'ils vous rajoutent, hein, dans votre sac. Eh bien, franchement, ça vaut le coup, hein. Allez, je vais aller chez mon client. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais charger de la viande pour Intermarché, que je vais laisser au dépôt de transport Gagne à Cavaillon. Alors ça, c'est le genre d'intersection que je n'aime pas du tout, surtout en semi-remorque. Regardez, je dois tourner complètement à droite. Donc je m'en rapproche au maximum de ma gauche. Pas de voiture. Allez, je vais y aller. En fait, voilà. Pour pas se rater ici, hein. Hop, et je redresse. Et je surveille mon rétroviseur de droite pour pas monter sur le trottoir. Ouh, c'était juste fin. Allez, hop. Fait vraiment pas beau là-bas devant, hein. Ouh là là. Et voilà, j'arrive chez mon client. Donc là, je vais m'annoncer au portail. Alors bien sûr, hein, je coupe le moteur pour qu'il m'entende bien à l'interphone. Je vérifie que mon chrono, hop, il s'est remis tout seul en repos. Donc hop, je le remets en autre tâche. Alors, défilé pour accueil, hein. Il n'y a que ça comme possibilité. Je sonne. Allô? Oui, bonjour, Transport Gagne. Je viens charger pour Intermarché. Je t'ouvre. Ok, merci. Porte ouverte. Voilà, donc ils sont venus prendre la température de mon frigo. Donc ici, oui, ils prennent la température, hein, avant de vous mettre à caisse. Si vous n'êtes pas à la bonne température, eh bien, il n'y a pas moyen de charger. Allez, maintenant, je recule pour me mettre à caisse correctement. Oh merde. Putain, le Renault, ça part d'un coup, là. C'est impressionnant. J'ai donné les clés pour qu'on puisse me charger et là j'ai plus qu'à attendre. Je vais aller boire un petit café, hein. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fini le chargement. Donc j'ai plus qu'à avancer et à fermer les portes et attendre qu'ils viennent me plomber. Donc j'avance légèrement. Allez, petit. C'est parti. Allez, on met la ceinture et en route pour Cavaillon. Alors, c'est parti. Je me place au-dessus du capteur. Et le portail va s'ouvrir. Regardez, abracadabra. Je positionne comme il faut. Hop. Il s'ouvre. Alors, des journées comme ça, eh bien, il ne faut surtout pas oublier d'écouter, de s'informer au niveau de la radio, hein, Autoroute Info et votre ami. Et puis, écouter les informations de la route pour savoir s'il y a des accidents ou pas. Ou des bouchons éventuellement. La circulation s'écoule très bien d'ailleurs. Oh, bah ça va. Si vous vous dirigez vers le périphérique toulousain, notez qu'un poids lourd nous est signalé en panne à l'est de Toulouse.
Château d'Oran, juste avant d'arriver à l'hôtel de Lasbordes. Soyez attentif si vous avez l'intention de vous diriger vers ce secteur, sachant que vous qui nous écoutez, vous avez encore quelques kilomètres à faire, et même quelques dizaines de kilomètres à rouler. Ok, donc il nous annonce une circulation fluide, sauf vers Toulouse où il y a un camion qui est en panne. Eh bien, ça m'arrange. Allez, here we go. Mon volant qui est mal réglé. Aïe, voilà, comme ça. Aïe, je fais mieux en conduite. C'est parti. Alors ça, c'est le petit rond-point de la mort là, de tout à l'heure. On va essayer de pas rouler sur le trottoir, parce que là, il est vraiment très juste. L'entrée d'une zone industrielle comme ça, faire des... Donc je le prends vraiment à 15 km/h sur rond-point. Hein. Pas besoin d'aller chercher de la vitesse dans un rond-point. Et puis au moins la marchandise, elle va arriver intacte. Allez, le passage du péage. Alors moi, je me sers dès que possible. Si je peux prendre la voie la plus à droite, ben je la prends à droite. Voilà. Je ne me complique pas la vie. Là au moins, c'est large. Et c'est parti, direction Cavaillon. Alors, il n'y a pas rien, hein, toute la circulation. Vive les vacances de la Toussaint. Ça roule. Là. C'est noir de monde. Il y a même une baisse de la vitesse pour pouvoir réguler justement la circulation. Il y en a qui ont les planches à voile sur le toit, c'est génial. Ils ont bien de la chance de partir en vacances. Voilà. Hop, les VTT. Super. Allez, regardez ici sur la gauche l'énorme bouchon. En fait, il est causé par un camion qui a perdu son coffre de palette. Du coup, il est à cheval sur la voie. Plus les véhicules d'intervention. Regardez-moi ce bouchon en face. Voilà, bah c'est ce que j'appréhende un petit peu là pour le retour, hein, en espérant que bon déjà ça se soit dégagé et puis que ça ne se reproduise pas. Ouais, ça c'est ma plus grosse crainte. Il faudra que je fasse une coupure supplémentaire avant d'arriver à mon lieu de livraison. Bon bah s'il le faut, on le fera et puis c'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais le bouchon aussi parfois occasionne des dépassements de conduite continue. Alors bien sûr, il y a des méthodes hein, pour ne pas être verbalisable. Mais encore, c'est toujours au bon vouloir de celui qui va me contrôler par la suite. La réglementation, c'est la réglementation. On n'a pas le droit à des dépassements. Après, si jamais on en fait, bah, si on fait malgré tout quand même des déplacements, je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo comment il faut faire pour éviter de se faire verbaliser, pour éviter, je dis bien, hein, pour essayer de limiter la casse. Hein. Je ne vous dis pas que vous ne serez pas verbalisé systématiquement, hein, mais ça va pouvoir limiter quand même. Et voilà les amis, ça fait maintenant 3 heures que je conduis. Et bien là, la sortie Cavaillon approche. Dans quelques mètres, je vais sortir à Cavaillon pour aller donc au dépôt de transport Gagne. Il est exactement 13h05. J'arrive impeccable. Je ne vais pas avoir beaucoup à attendre qu'on m'amène la prochaine remorque. Allez. Le péage de Cavaillon.
sa mise à quai maintenant. Entre les deux camions qui sont là, ce sera parfait. Là parce que la dernière fois on m'a demandé de me mettre là, et lorsque c'est la première fois que vous venez, bien sûr que vous ne vous garez pas sans aller demander, cela va de soi. Neutre, je vais aller voir l'accueil, je vais aller déposer mes documents, et ça se trouve je vois une remorque là-bas, c'est la même que j'ai pris l'autre fois. Si ça se trouve ma remorque elle est déjà là. Allez, j'y vais. Bien les amis, et bien du coup ma remorque, non, elle n'est pas encore là, je croyais que c'était celle-là là-bas. Donc je vais décrocher et je vais faire ma coupure. Allez, je vous emmène pour décrocher avec moi. Je vais vous montrer, parce que décrocher un frigo, c'est quand même une technique un peu particulière. Ça n'a rien à voir avec une semi bâchée. Vous allez voir. Allez, je vais vous montrer. Alors, la toute première chose à faire pour décrocher une remorque, surtout lorsqu'elle est chargée, eh bien, c'est de monter la suspension. La suspension du tracteur. Ce qui permettra au conducteur qui va récupérer la remorque de bien passer correctement dessus. Donc j'ai la télécommande dans la main et je vais monter tout en vérifiant. Voilà, la remorque est bien montée. Et pour pouvoir décrocher la sellette, regardez bien. Ah, j'ai mon câble qui gêne. Voilà. Alors, toujours on ferme la portière, parce que si jamais on tombe, là je suis pas attaché. Si jamais je tombe, je risque de me faire très très mal. Donc une fois que j'ai monté le tracteur, pour pouvoir bien décrocher la sellette, eh bien je vais tout simplement enlever le frein de parc. Voilà, je vais relâcher le frein. Hop là. Et là, la remorque, eh bien elle se tend, parce qu'en fait elle est montée, et dès que je lâche le frein de parc, boum, elle se remet correctement. Sinon il est quasiment impossible, allez, à 99% de chance, où vous ne pourrez pas décrocher la sellette, vous ne pourrez pas tirer sur la sellette pour la décrocher. Et rappelez-vous ce que je dis souvent, pour décrocher une remorque, toujours moteur à l'arrêt. Donc là, je coupe mon moteur. Donc bien sûr, je vérifie que je suis bien en position travail. Et je descends. Allez, maintenant, le petit coup de manuel pour descendre les béquilles. Alors, maintenant, regardez bien. Vous voyez ici, entre l'arrière du tracteur et le frigo, il y a très peu d'espace pour débrancher les flexibles. Donc ce que je vais faire, eh bien je vais tirer ici le frein de parc de la remorque. Voilà. Le frein de parc de la remorque est enclenché. Je vais maintenant pouvoir déverrouiller la sellette. Je vais avancer le tracteur et ensuite je vais débrancher mes flexibles. Voilà.
reconnais que celle-là, elle m'a un petit peu résisté, hein, un peu galéré. Hein. Allez, maintenant, je vais avancer le tracteur pour pouvoir accéder au flexible tranquillement. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin d'avancer beaucoup non plus. Hein. J'avance de 1 mètre, ça me permet, regardez, de circuler tranquillement, sans avoir à me prendre des coups, à me cogner la tête là-dessus. Lorsque je décroche cette main, elle est très importante. Si je vois la remorque ou le tracteur qui commence à bouger, pouf, je la remets aussitôt. Ne cherchez pas à comprendre. Si ça bouge, vous rebranchez pour remettre les freins. Ensuite, on remet le tracteur à niveau, hein, pour en position route. Et là, maintenant, je vais aller me garer pour faire ma pause. Et voilà, donc je reviens de l'exploitation. Donc on m'a dit que ma remorque serait certainement là ici vers aux alentours de 14h30. Il est 13h40, ouais, ça me laisse le temps de fermer 45 minutes. Alors regardez bien, hop, je vous remonte, hein, voilà. Alors mis à part celui qui est là devant, là, qui est un peu castagné là sur les côtés. Bah, finalement, ouais, il y a un très beau parc, hein, quand même. Hein. Même les camions que j'ai vus à Faisin, ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas esquintés. Enfin, il y a... Bravo, les gars. Bravo. Donc, ouais, c'est... Enfin, moi, là, en tout cas, ça fait deux fois de suite que je fais exactement le même trafic. Et puis, c'est tranquille. Hein. Franchement, c'est pas mal. Bah, j'espère que ça va continuer. Voilà, pour des extras en tout cas, c'est relax, relax, relax. Allez, je vais en profiter pour casser un peu la croûte et puis me reposer. 45 minutes, c'est très court. Donc, faut y aller quoi. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, ça y est, la remorque est arrivée. Je l'ai accrochée, je pars parce qu'il est 15h, donc elle arrive avec une demi-heure de retard. Allez, maintenant, je vais enquiller l'autoroute direction Neuville-sur-Saône, qui est au nord de Lyon, juste après. Donc voilà, aujourd'hui, avec la circulation qu'il y a, j'espère juste de ne pas avoir de soucis, parce que entre ici, Cavaillon, Neuville et retour à Faisin, j'ai pile poil 4h20 de route. 4h20. Donc, il ne faut pas qu'il arrive un pépin. Hein. Je vais brancher la radio pour voir, écouter un peu les infos. Même s'il y a des bouchons, ça va pas m'arranger. Hein. Même si je le sais, franchement, ça arrangera pas les choses. Je pourrais pas sortir et prendre des contournements ou un détour parce que du coup, ça va me faire beaucoup plus d'heures de conduite et ça m'arrangera pas. Voilà. Allez, on croise les doigts et c'est parti. Alors là-bas, sur la droite, on voit la colline de Cavaillon. Voilà, il y a une via ferrata là-bas, au pied de la ville de Cavaillon. Je l'ai déjà faite plusieurs fois. Il fait chaud là. 26 degrés.
voilà, vous avez vu pourquoi il faut rester toujours vigilant. Au moment où je prenais mon accélération, eh ben, il y en a un qui a mis ses feux de détresse et qui a même fait une queue de poisson à la voiture qu'il venait juste de doubler. Donc, faut rester vigilant, quoi. Faut pas être sur son téléphone, faut regarder la route en permanence, faut être attentif. Sinon, un jour ou l'autre, ça percute, ça tape. Voilà. Allez, j'arrive à mon prochain client, donc celui chez qui je vais aller décharger. En général, il y a beaucoup de monde là. Et c'est compliqué pour les mises à quai. J'espère que ça va bien se passer quand même. Je vais faire demi-tour au fond. Allez, un petit demi-tour dans la cour. Et là-bas, la mise à quai, elle est très, très, très chaude, quoi. C'est très étroit. Je sais que la dernière fois, il m'avait proposé de me décharger ici. Ça l'avait fait quand même, hein. J'avais réussi, mais voilà, c'est chaud time. Allez, je vais aller me garer devant et ils me diront à quel quai je vais me mettre. Et ben voilà, donc il va falloir que je me mette ici au quai numéro 16 avec tous les camions qui sont là. Regardez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place et en plus lui il est garé là juste devant les quais. Bon, ça va être chaud patate. Donc il faut venir en marche arrière depuis la route pour venir se positionner à quai. Sinon c'est impossible. Et comme on peut le voir, hein,
toutes les remorques, tous les véhicules sont garés très près les uns des autres. Non, c'est franchement, c'est chaud. Regardez le gaffe là. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que il me décharge. Hein. J'ai quasiment un complet. Là, j'ai vu. Ouais, je suis chargé jusqu'à ras le cul des palettes. Voilà, je vais couper mon moteur. Je fais attention à mon chrono tachygraphe qui se met automatiquement sur repos. Donc, je le guette et hop, il faut absolument vite. Et voilà, il est mis. Hop, je mets position travail. Et là, j'ai 3h27 de volant. J'ai une heure pour rentrer. Bon, allez, s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a rien du tout, ça devrait bien se passer. Il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, j'ai fini de décharger. Il est exactement 19h30. Vous voyez, depuis ce matin, 9h prise de service. Et là, 19h30, ça fait des sacrées amplitudes quand même. Sachant que chez Transport Gagne, je fais beaucoup moins d'heures que chez Gibert. Chez Gibert, j'arrive à faire plus de 12 heures de temps de service. Et oui, c'est l'activité qui veut ça. Hein. Et chez Gagne, je fais à peu près 9h, 9h30 de temps de service. Voilà. Donc là maintenant, je vais rentrer au dépôt de Gagne, hein, par la rocade, etc. Et puis, ma journée sera terminée. En espérant toujours pareil, hein, qu'il n'y ait pas d'incident sur la route. Parce que là, j'ai 3h29 de conduite. Il ne me reste plus qu'une heure à conduire. Si jamais je tarde trop, il va falloir que je fasse une coupure de 45 minutes avant même d'arriver au dépôt. Allez, c'est parti, le retour. Et voilà, retour au bercail. Alors j'ai fait un petit peu plus vite que d'habitude, je comprends pas. J'ai mis 4h12 donc pour entrer depuis Cavaillon, aller faire ma livraison et revenir. 4h12, alors que l'autre fois j'ai mis 4h25. Et j'ai enlevé ma carte, j'avais 4h28 de conduite. Voilà, donc la journée est terminée, il est 20h10. Voilà, ça fait des grosses journées. Mais c'est le métier qui veut ça. Allez, j'espère que... Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.